Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parego. Cette semaine, je vous propose de démarrer par un petit tour de magie. Regardez bien cette voiture. Il y a quelques années, elle était honnie de tous. Trop polluante, mal adaptée. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle s'appelait 4x4. Réalisons à présent notre petit tour de magie. Vous entendez la différence? Et oui, la voiture n'a pas changé, mais en quelques lettres, elle est devenue tendance et moderne, un vrai petit miracle. Marketing qui, malheureusement, n'est pas sans conséquence pour notre environnement et nos villes. C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Il s'en vend de plus en plus, mais comment expliquer ce succès fou? Parego vous explique pourquoi les SUV écrasent la concurrence. Plus lourd, moins aérodynamique, un SUV consomme naturellement plus de carburant qu'une berline. Conséquence, les SUV sont devenus la deuxième cause d'émissions de CO2 dans le monde, un désastre écologique. En ville, les SUV posent d'autres problèmes, et pas seulement à cause de leur gabarit. Reportage. Enfin, nous verrons que les SUV se sont récemment invités à l'Assemblée nationale. Des députés souhaitent les taxer plus lourdement. Au Québec, on appelle ça un char. Bon, c'est pas un tank, tout à fait, c'est un SUV. Et ces SUV, ils sont de plus en plus nombreux en ville et on se demande vraiment pourquoi ils sont plus chers à l'achat. Ils consomment plus, mais il s'en est vendu l'an dernier 7 fois plus qu'il y a 10 ans. Un succès fou. Voyez cette enquête d'Antoine Marguet et de Johan Dorion. Ils sont partout et ils envahissent nos rues. Désormais, une voiture sur trois vendue en France est un SUV. Et à Paris, c'est même 46% des voitures immatriculées. Presque une voiture sur deux. Je l'ai choisi pour le confort, pour la position de conduite en hauteur et pour le coffre aussi. Et on se sent beaucoup plus en sécurité. Ça permet de voir un peu mieux la route, les vélos, les voitures, les piétons. Désormais, toutes les marques proposent ces SUV. Un style qui se décline aussi pour les petits modèles. Chez Peugeot, le seul constructeur qui a accepté de nous recevoir, on estime que c'est sur le design que ces voitures font la différence. Illustration avec la meilleure vente de la marque, la 3008. On va avoir un avant très puissant avec une calandre qui dégage beaucoup de robustesse. Ensuite, on va trouver de plus grandes roues, également accompagnées par un passage de roues qui est très caractéristique de cet univers SUV. Et puis on va retrouver à l'intérieur et dans le coffre tout ce besoin d'habitabilité et d'espace de chargement qu'ont les clients de ce type de véhicule. Résultat, en France, le SUV a balayé le marché des monospaces familiaux. Son design, venu des États-Unis, a malgré tout dû s'adapter au marché. C'est vrai que le mot « sport utility vehicle » est anglo-saxon et il était historiquement plutôt lié à des 4x4 et à des gros véhicules. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout la réalité du marché européen. Et on a cette image d'un véhicule plus lourd qui va consommer plus de CO2. Par exemple, une 3008 essence boîte automatique va consommer 3 grammes de plus de CO2 qu'une 308 avec le même moteur. Un succès des SUV qui est aussi un moteur pour le marché de l'automobile, selon ce spécialiste. Il est plus rentable pour un constructeur de vendre un véhicule. Plus il est cher, plus il va gagner de l'argent. Donc les SUV étant généralement un peu plus chers que les berlines, ils vont gagner plus d'argent. Mais l'un dans l'autre, l'acheteur va s'y retrouver également parce que lui revendra également plus cher sa voiture en occasion qu'une berline. Désormais, les constructeurs proposent leur gamme SUV avec des motorisations hybrides ou électriques, histoire de gommer l'image de véhicules plus polluants. Bonjour Mathieu Chassinier. Bonjour Bertrand. Vous êtes ingénieur mobilité à l'ADEME. Alors on vient de le voir dans le reportage, les automobilistes et les constructeurs sont fans des SUV pour différentes raisons. Est-ce que vous montrez dans votre travail, c'est que ce phénomène risque de durer encore longtemps? On rentre dans des phénomènes de cercle vicieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une catégorie des véhicules qui sont complètement délaissés par les constructeurs. Les petites citadines, il y a déjà plusieurs constructeurs qui ont annoncé qu'ils n'en feraient plus. Et puis après, on s'habitue à avoir des véhicules de plus en plus gros. C'est-à-dire qu'avant, au départ, quoi, il y a 10 ans, quand il y avait très peu de SUV en France, ça paraissait énorme à tout le monde. On avait des voitures, des Porsche Cayenne, par exemple, qui paraissaient vraiment énormes. Aujourd'hui, on trouve ça encore gros, mais on trouve ça presque normal. Donc finalement, l'œil du consommateur s'habitue, prend goût à ça. Et les véhicules ne peuvent être que de plus en plus gros si on ne met pas un coup d'arrêt tout de suite à ce phénomène. Alors si on se pose toutes ces questions autour des SUV, c'est bien sûr parce qu'ils posent un certain nombre de problèmes.
et notamment leur empreinte carbone complètement démesurée par rapport au reste du parc automobile. Oui, tout à fait. Alors, un SUV est plus lourd qu'un véhicule classique. Il est également moins aérodynamique. Et donc, on estime qu'un SUV, par rapport au véhicule standard dont il est dérivé, va consommer à peu près entre 10 et 15% de plus. Donc, ça fait des émissions de CO2 supplémentaires. Et puis, ça pose des problèmes de sécurité. Ça, on le verra dans un instant dans notre reportage. Pour revenir à l'empreinte carbone des SUV, il y a une étude qui a été menée, il y a un rapport aussi de Greenpeace qui est sorti il y a quelques semaines, qui montre que c'est la deuxième source de croissance des émissions de CO2 dans le monde. C'est considérable. Oui, alors dans le monde, on est passé de 35 millions de SUV en 2010 à 200 millions de SUV aujourd'hui. Donc, on a une multiplication par 6 du nombre de SUV. Et en France, on suit exactement le même chemin. En 2008, il y avait 5% des ventes seulement étaient des SUV. En 2019, aujourd'hui, c'est 38%. Et alors, si on compare ce qui est émis entre une citadine classique, une berline, et un SUV, on atteint entre 4 et 10 tonnes de CO2 en plus émis dans une vie du véhicule. C'est énorme, là, une fois de plus. Oui, alors il y a la phase consommation, 10 à 15% de consommation en plus. Il y a aussi la phase de production du véhicule. Produire un véhicule, c'est beaucoup de matière, c'est beaucoup d'énergie. Un véhicule, c'est 5 tonnes de CO2 pour le construire. Et donc, plus le véhicule est gros, plus cette valeur va être importante. Ce qui est flagrant aussi, c'est le nombre de grammes de CO2 par kilomètre des voitures neuves vendues en France, qui est reparti à la hausse ces deux dernières années, à cause en grande partie des SUV, alors qu'il était en baisse depuis un certain nombre de temps. Oui, depuis très longtemps, c'est vrai que les émissions moyennes des véhicules neufs diminuaient régulièrement de 3-4% par an. Et la dynamique s'est complètement inversée depuis 2016. Depuis 2016, la voiture neuve vendue en moyenne en France consomme plus que l'année précédente. Les voitures neuves vendues en 2019 consomment plus en 2018 qu'en 2017 qu'en 2016. Ce qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle pour notre planète. Merci Mathieu Chassignet pour toutes ces précisions. Alors il y a un instant, on parlait des problèmes causés en ville par les SUV. Ils sont relativement nombreux. Vous voyez cette enquête de Didier Morel et Merak Mosticien. Attention, ils sont de retour. Le gang des dégonfleurs revient en ville, plus précisément dans les beaux quartiers. Leur cible, les SUV, comme en témoignent ces tweets. La guerre est déclarée à Paris contre les SUV. Résultat, le propriétaire se retrouve avec les quatre pneus dégonflés. Leur cible a changé. Fini les vieux 4x4 ringards équipés d'énormes pare-buffles. À la place, ces gros rejetons déjà rebaptisés « bâtardines ». Plus lourds que des berlines, ils sont aussi la cible des associations contre la violence routière. Les études le prouvent, ils provoquent des accidents plus graves et plus nombreux. Au Canada, des chercheurs ont découvert que la conduite d'un SUV augmente le risque de provoquer une collision mortelle de 224%. Nous sommes très préoccupés par ces véhicules, tout simplement parce que les ralentisseurs ne sont absolument pas des ralentisseurs pour eux. Ils montent sur les trottoirs et c'est un danger supplémentaire pour les piétons. Donc pour nous, attention, ces véhicules ne sont pas faits pour les agglomérations. Un danger ambulant pour les piétons, mais aussi plus surprenant pour les petites voitures. En cas de choc, la voiture qui est massive, qui pèsera 1,5 tonnes, si elle rentre en conflit avec un autre, nous savons très bien, en ce qui concerne les résultats de l'accidentalité, où se trouvent les morts. Donc finalement, les morts servent de coussin à ces gens qui s'imaginent que cette voiture est utile. À Paris, près d'une voiture achetée sur deux est désormais un SUV. Comme en ville, la taille compte, la mairie les a donc dans le collimateur. Car côté stationnement, du fait de leur grande taille, ils occupent le gros du pavé. Alors on va demander au gouvernement de pouvoir, par exemple, étudier une tarification au poids. Après tout, on le fait bien par exemple sur la question des déchets. L'idée c'est de faire en sorte que ceux qui ont de petits véhicules, qui sont plus vertueux, eh bien, payent moins que ceux qui ont ces gros véhicules, qui devront donc payer plus tout simplement. Une mesure déjà prévue dans un arrondissement de Montréal. Quant à la région capitale de Bruxelles, elle aussi, elle espère les chasser de ses rues. Alors, amateur de ces chars d'assaut, uniquement taillés pour passer les ralentisseurs, SUV qui peut, il est encore temps. Bonjour Mathieu Follin. Bonjour à vous. Vous êtes député du Maine-et-Loire. Alors ces dernières semaines, le SUV s'est invité dans un lieu où on ne l'attendait pas, juste derrière nous, à l'Assemblée nationale, et c'est un petit peu à cause de vous, puisque vous avez souhaité modifier le bonus-malus, vous avez déposé des amendements dans ce sens pour taxer les véhicules selon leur poids. Clairement, vous visiez les SUV.
On visait les véhicules les plus lourds, effectivement, les plus consommateurs d'énergie et de matière. Alors, votre proposition de loi, elle n'a pas été retenue, n'a pas été votée par les autres députés, mais vous proposiez de taxer au-delà d'une tonne 3. Hein, pour donner quelques exemples, hein, un automobiliste qui a une Audi A3 aurait payé 750 € de malus, une BMW X2 3 000 € et carrément 10 000 € pour une Tesla Model X. Du coup, certains vous ont taxé de vouloir faire de l'écologie punitive. Si on le voit comme ça, sorti du contexte, oui, mais aujourd'hui, c'est quoi la vraie question? C'est est-ce que c'est normal d'avoir des véhicules aujourd'hui qui sont vendus et qui font une tonne 6, une tonne 8, parfois même jusqu'à 2 tonnes pour transporter une personne. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces véhicules très lourds, très puissants, certains allant jusqu'à des consommations de 10 litres au 100, des émissions de CO2 de 200 grammes de CO2 par kilomètre, là où il faudrait viser 95 grammes en moyenne dès l'année prochaine. Donc vous voyez, cet amendement, il n'était pas là pour embêter les gens. Il était pour dire comment on arrive à redonner au bonus-malus son caractère incitatif. Alors, est-ce que cette mode des SUV, finalement, elle ne va pas se calmer, peut-être toute seule, grâce ou à cause, selon son point de vue, à l'Union européenne, puisqu'il y a un nouveau règlement qui oblige les voitures neuves à émettre 95 grammes de CO2 par kilomètre maximum à partir de 2021. Évidemment, tous ces SUV sont très au-delà. Est-ce que du coup, les constructeurs et donc les automobilistes ne vont pas se tourner vers d'autres modèles? On peut espérer, effectivement, parce que vous l'avez dit, l'objectif à atteindre dès l'an prochain, c'est 95 grammes de CO2 par kilomètre. Où on en est aujourd'hui? On en est à plus de 110 grammes en moyenne, donc on voit qu'il y a un écart très important. Et puis effectivement, les gros SUV puissants, eux, ils peuvent être à 140, 160, parfois 200 grammes de CO2. C'est ces véhicules-là qui aujourd'hui ne sont pas durables. Et il faut effectivement que l'ensemble des acteurs, bien sûr les constructeurs, les consommateurs dans leur choix, mais les pouvoirs publics aussi, effectivement réorientent le choix des véhicules neufs vers des véhicules moins consommateurs, moins émetteurs de gaz à effet de serre. On a des véhicules, y compris des véhicules familiaux, qui sont beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre que les gros SUV. Donc il faut qu'on arrive à réorienter le marché vers ces véhicules-là. Merci Mathieu Orphelin pour toutes ces précisions. Et effectivement, cette réflexion est lancée, car même si vos amendements ont été repoussés, la ministre a ouvert la voie à un dialogue pour une amélioration du bonus-malus l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Paris Go s'achève, vous en savez forcément plus maintenant sur ces SUV qui sont aussi populaires qu'encombrants et polluants. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut !